Retour à mon film que j'adorais tellement à l'époque. J'ai arrivé à retrouver mon film pour faire de ce toit un toit panoramique. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Ah, ben c'est... T'es d'accord avec moi? Carrément. Voilà ce que j'adore. Comme si c'était d'origine. Ah, regarde de quoi on parle. Regarde, chérie. Parce que j'avais arrêté de faire les toits parce que je n'avais plus le film. Et là, ben, on est en toit panoramique. Voilà ce que c'est un toit sur mesure. Ça, j'appelle ça du sur-mesure. Oui, voilà. Oui, sachant que c'est pas sec, sachant que c'est du sur-mesure. Bon, vous êtes content, on parle. Moi, je suis content. Voilà. Ben, je suis content parce que j'ai commandé mes propres produits. Hein. Donc, mes propres produits, c'est ça, en fait. Donc, là, j'ai mon fameux carbone 4D. Alors, j'ai celui-là. Parce que là, quand je lui ai demandé, tu veux quoi? Là, il ne savait plus quoi dire. Parce que là, attention, c'est vraiment autre chose. Ça, c'est mon carbone, mon film noir avec liner de protection. Et ça, c'est pour protéger. Hein, c'est transparent. Un exemple, les visières de casque. Toute la voiture complète. Ou même, voilà, parce que ça serait toujours à ce niveau-là. Ou même faire carrément le capot. Parce que j'avais pris ça pour faire la R8, en fait. Carrément mettre un film transparent dessus. Mais ça, je ne l'ai encore pas testé. Hein, c'est le test que je vais faire plus tard. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore à tester? Ben là, je vais y faire ces feux, donc ils sont comme ça au départ. Et je vais mettre ce film-là. De toute façon, il est inconnu en France. Voilà, c'est ça. Ou peut-être qu'il est connu, mais en tous les cas, j'ai jamais eu. Voilà, et un liner de protection, pareil. Donc, lui teinter les feux avec ce film-là. Donc, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, je suis content et je dis fin de citation.